Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearts, toujours en multi avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. On est reparti du coup dans notre petite double cité qui fait bien sa vie, hein, mine de rien. C'est plutôt cool. Ça avance. Alors, on a des routes à construire. Ça continue à parler aux fourmis. Tout va bien. Tout va bien, ça va. Ils sont pas encore complètement décédés de folie. Merde, qu'est-ce que t'as foutu là? Qu'est-ce que c'est que cette route de merde? Merci de l'enlever. Voilà. En avant. Y a pas de attention, vous démerdez, vous me faites cette route, c'est tout. Je vous la fête, c'était pas une question. Non mais c'est clair, enfin genre comme si c'était une option, les mecs, ils croient quoi là. Bon, normalement on devrait. Alors lui il vend des portes et des fenêtres. Eh ben écoute, je suis hyper heureux de l'apprendre, j'ai envie de dire. Je vais te vendre ça, tiens. Ça fera un peu de thunes. Voilà. Un peu de sous. Pourquoi il gueule sur ma route, sérieux? C'est quoi le problème? Oula, easy bass. Daily update. Ouais, on a ce qu'il faut. Ah. Je l'ai raté, moi, celle-là. Ah, c'est la précédente que j'avais ratée. Alors, il est charismatique et stoïque, hein. Avec 6 de spirit, hein, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, alors je vais pas me taper ce vieux point d'exclamation mot jusqu'à la fin de la partie, par contre, ça va pas être possible, ça. Parfois, donc, vaut mieux simplement l'effacer et la reprendre. Ouais, c'est un peu ce que je viens de faire, justement. Au niveau des couleurs aussi, ce serait bien de prendre les bonnes couleurs. Ça me paraît plutôt cool comme idée. Effacer, très bien. Bah effaçons tout, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein. Voilà, parfait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre route là, histoire de commencer à faire plus ou moins des rues. Hein. Ah merde, des invadeurs, fait chier. Bon, je construis mes routes, quoi. Sans déconner, les mecs, vous avez rien d'autre à foutre. Qu'est-ce qui se passe, c'est où? C'est par chez toi, c'est en dessous. Ah, mais c'est une petite saloperie. Soldat. Enfin, c'est une saloperie, mais encore faudrait-il qu'on la tue, quoi. Bah oui, il te tape dessus, herbaliste. T'es pas capable de soigner notre soldat en même temps, hein, donc je te rappelle que c'est de ta faute. C'est l'hiver, c'est de ta faute. Voilà, c'est tout. C'est ça. Si tu meurs, et eh ben t'avais qu'à pas mourir. Tout simplement. Soldat flantier level 2. Ouais, mais toujours level 1, moi, Damny. Hein. Il prend du temps à monter, hein, le soldat, quand. Ouais, bah j'imagine. On peut voir sa jauge. Il est à la moitié, un peu. Ah merde, encore. Ouais, c'est chez moi. C'est chez toi, c'est ça. Ah putain, il trace les loups, hein. Vache. Ils vont attaquer ton mec qui fait rien, là. C'est pas grave, il fait rien. Il avait qu'à faire des trucs s'il voulait pas mourir. Il avait qu'à être occupé. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est clair. Ici, c'est le communisme. Tu travailles pas, tu meurs. On te jette au loup, littéralement, quoi. C'est ça. C'est pas mal ta mine, hein. Ça a de la gueule, hein. Ouais, je suis arrivé au moment où c'est de la pierre, donc je vais devoir l'étaler. Mais je le ferai en sous-sol mine. Pour pas que ça soit moche. Des jetages au loup et des mines, quoi, c'est le ça. Thème de la série est donné, quoi. Et parler aux fourmis. Et les fourmis, ouais. Des fourmis qui parlent. Ouais, donc j'avais dit qu'il fallait qu'ils aient des endroits où dormir.
Alors est-ce que je leur fais un... Ah, je peux leur faire une communal kitchen. C'est cool ça. On va leur faire ça, tiens. Oui, c'est vrai que j'ai fait un cook, mais je vais rien filer pour qu'ils cuisinent, donc du coup, c'est un peu la tristesse. Par où on rentre dans ce truc là? Alors, on a qu'à dire comme ça. Allez, au taf! Il est temps de faire de la bouffe, parce que ça va donner de la valeur à la ville. Donc ça on a déjà, ça on a... En fait quand on débloque des jobs, ça débloque des templates, c'est plutôt cool. Je pensais qu'il y avait que quelques templates de base, mais... Non, et même quand tu passes ta... quand tu réussis la quête là, qui t'ont donné... avec les gens qui sont gentils. Ah ouais. Bah tu débloques des templates encore en plus. C'est cool. On va agrandir notre ville, hein. On est là pour ça. Aujourd'hui ça va être construction. Maison pour deux, hein, c'est là. Ah oui la vache, la maison pour deux, elle déconne pas quoi. Purée, mais on va peut-être faire un quartier résidentiel à côté parce que c'est quand même hyper gros ce truc. Allez, ça prend du temps à construire. Allez, c'est parti. Et on va profiter pour faire une petite route. Hop. Et hop, c'est parti. Bon bah ça va commencer à ressembler à quelque chose. Alors du coup il nous faut un deuxième potier. Qui c'est qui serait bien comme potier avec un petit peu de... Voilà toi t'es pas mal là. T'es végétarien, bah écoute tu seras un potier végétarien. J'ai vu la mise à jour juste avant qu'on commence à jouer. Dans la mise à jour, c'est un des bugs qui a été fixé, c'est que le bacon et les œufs sont plus considérés comme étant végétariens. Ah oui, exact, ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure, j'avoue. C'est vrai. Non mais c'est important, on n'y pense pas, mais... Ah ouais, c'est ça, mais je vais quand même bien rigoler. Ouais. Ah merde, putain, j'ai pas fait d'échelle, il est bloqué en bas, le mec. Vite, une échelle avant qu'il décède, lamentablement. Tu sais, il s'est jeté sur l'échelle pour la construire et se casser, quoi. T'as raison, mec. Va bouffer. Il attendait le plan. Hop là. A goblin with a fancy hat. You make alors vous me faites des trucs ou alors il se passe des choses. Bah non, on va te faire foutre. Ah ça c'est qu'il y a le camp de gobelins qui a dû popper quelque part. Ouais. Ah il est là. Oh. Et tu vois, tu te rappelles la statue du sphinx? Ah oui c'est vrai, j'ai même pas montré. Ah non c'était dans... Elle pleure. Ouais. Ah ouais, on a dans cette partie on a une grande statue. Merde, attends, il y a un truc, je me pose. Une grande statue là de sphinx et à côté il y a une petite statue de lapin. Qui ont été générées comme ça, totalement gratuitement. Alors on a un voleur qui arrive. Ah je sais pas si on va réussir à le choper avant qu'il vole des trucs par contre. Il faut vraiment que je fasse d'autres soldats mais j'ai pas d'épée quoi. Vitesse 2. Ah bah remarque, je sais pas où il va voler des trucs mais... Ah peut-être chez moi ou... Non, il est rentré dans mon truc de maçon là. Donc du coup il va se faire défoncer, tout simplement. Il a volé un morceau de pierre. Bah écoute... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ces gens n'ont donc aucun respect. C'est ça. Il a volé une caillasse quoi. Aucune pitié pour les voleurs de caillasses. Hop, moi j'ai fait la route qui relie à ta ville, je l'ai mis entre un de tes dortoirs et le... Ah, cette fois il est pour toi.
Le truc pour bouffer. Il est où? Il est où? Il arrive là où il y avait les loups. Hop. 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 Ah oui, tes soldats sont déjà là en fait. On remarque le mien aussi. Ils sont attaqués. Par contre, ça c'est une expédition pour aller le défoncer. Il en... Ouais, il y en a deux autres qui m'arrivent dessus là. Soldat. Pointe-toi ici. Offrir une poterie, mais lâchez-moi, donnez-moi des épées, mais pas des potiries quoi, sérieux. Ah oui, ils se défendent déjà. L'autre il s'enfuit quoi. C'est sérieux mec. Ah oui, du coup ça enchaîne quoi. Bon bah. On va se retrouver dans le camp gobelin. Assez vite, il faudra aller normalement. On y va, on a pas peur. Bon, en même temps, il reste plus que le chef là. Ouais, le chef et un constructeur. Ouais, puis une petite merde qui vient même pas l'aider. Il tape fort, toi. Putain, oui, j'avoue. Il y en a un qui est quasiment mort, bah replie-le au pire. Hein. Ah putain, Flantier. Reviens, c'est reviens. Bon. Tire-toi, tu vas crever. Ouais, remarque, il est en train de s'enfuir. Bien, wesh! Alors, qui a loot le... la masse? Je sais pas. Je pense que c'est toi. Il court où tes mecs là? Ah, il y avait un truc. Ils ont été tués le dernier petit. Je suis en train de taper sur, c'est quoi ce machin? Une barricade, ok. Dans la barricade. Il y a une barricade avec plein de place autour, qu'est-ce que tu fous meuf? Franchement, n'importe quoi. C'est, on rase le camp en entier. Ah ouais, bah, par contre le coffre elle l'a buté en un coup quoi. Ouais. Eh, c'est encore toi qui as chopé l'arme je crois. Il y a une arme? Ah oui, j'ai ouais, pas vu. Deux même. Une arme à deux, une épée à deux mains. Ouais. Et une longue épée. Et comment tu sais que c'est moi? Ah non, la masse c'est moi qui. Ah oui, il y a des petits trucs en rose au-dessus, ouais, okay. La couleur du loot est rose, hein, exact. Ah donc du coup c'est moi effectivement, et toi t'avais looté l'autre. Oh merde. Merde, ils sont où? Pause. Ah puis j'ai même pas vu, j'avais une daily update en plus. Ils arrivent vers ton village. Chieftain mute the puce et defeated. Alors attends, je fais le petit event. Dites à mon mouton que je l'aime. Okay. Mais il y a un pote à lui qui devrait venir. Putain, par contre, toi, les loups, on est un peu mal niveau vie, quoi. Bah, on va les envoyer, ça qui sert. C'est ça. Allez, au turbin. Bon, je m'en vitesse 1 par contre pour pouvoir gérer éventuellement. Et en plus, ton pauvre gars qui est venu ramasser son loot, il va se prendre une grosse tatane. C'est pas grave, il est formé pour. Je vais peut-être les renvoyer à leur zone. Mais il a une masse dans les mains le mec quoi. Il la laisse tomber pour s'enfuir hein, mais franchement. Où est-ce qu'ils ont vu jouer ça? Ouais mais non mais c'est pas du tout optimal là, ils se rassemblent pas du tout là où il faut là. Où est-ce qu'ils vont? Putain, les soldats ils se galèrent tellement quoi. Ouais non, faut que vous regroupiez là, au moins mettre quelques coups de baramine dans la tronche de ces loups, mais... Ils sont où les soldats là? Oh, ils galèrent tellement quoi. Ils sont en PLS quoi. Ouais ça va, à 12 on est capable de défoncer deux loups quoi. Ah, et du coup, Damny est monté level 2! Bien, wesh! Bon, par contre, là, ce serait bien qu'ils utilisent des potions de soins, quoi, parce que. C'est un peu le drame.
Ah bah elle l'a fait, elle vient de se soigner. Parfait. Parfait, parfait ça. Alors pourquoi tu peux pas faire ça? Ah, faut que tu sois cook level 2. D'accord, bah écoute, qu'est-ce que tu peux faire en étant level 1? Ah, il faut qu'on place des trucs, bordel, fais chier. Bah c'est pas grave, on va attendre que les bâtiments se fassent. Il nous faut de la... il nous faut du clé. On a plus de clé. Sérieux? Si, ils sont contents. Mais par contre, il y a un bug, hein, ils voient toujours pas que j'ai des crafters. Alors, on a des petites saloperies qui arrivent. En avant. Ça va, ils viennent de se taper des gobelins, je pense qu'ils devraient être capables. Ouais, ça devrait être bon maintenant. Par contre, mon herbaliste, faut peut-être qu'il fasse d'autres le taf là, hein, parce que. Tu vas te démerder pour en avoir toujours 5 dans l'inventaire des potions, s'il te plaît, tu seras gentil. Et le mouton, personne le ramasse quoi. Ah la vache, il a 500 PV le mouton quoi. C'est incroyable ce truc là. Purée, j'avoue. Moi, ils ont toujours pas été chercher le loot par contre. Je suis sûr qu'ils seraient contents d'amener avec une épée à deux mains là. Double the hand, double the trouble. J'aime le concept. Cela dit, toi aussi ils ont laissé tomber la masse là. Ouais, c'est vrai qu'elle me ferait bien plaisir à avoir donc. Un ennemi! Mais sérieux? Ah, mais bordel! Qu'est-ce qu'il faut? Ah non, mais c'était soldat. Attends, mais t'es rapide, ouais. Hein? Ouais, bah, je pourrais jamais arriver. Attends, c'est... Ce serait peut-être temps que l'herbaliste fasse son job. Le pauvre, il se traîne avec genre 52 PV là. Ouais, c'est... je suis d'accord. Je sais pas bien comment ils fonctionnent, les herbaristes, mais c'est un peu. Un peu la misère, on va dire. Alors là, il peut pas faire ça. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te poser. C'est où ? Workshop. Voilà, tu vas nous faire de la bouffe. Genre dans le coin. À l'arrache. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un message. Ok, fermier level 2. Ça, c'est quoi ? C'est un ennemi ? Ah non, c'est. C'est quelqu'un qui ramasse des objets. Parfait. Niveau nourriture, on en est où? Ouais, c'est pas ouf, hein. On est toujours en automne. En automne, c'est des watermelons, je crois. Hein. Non, c'est summer, les watermelons. Faire avec du ça encore. Dans les trucs avancés, on a du corn, on va faire du vrai, un vrai truc. Alors, Joe Boxon arrive. Eh ben écoute, Joe Boxon, t'es gentil, mais ça ira. On a un mec qui est pas content, j'imagine que ça va être le soldat. Ah non, c'est Block Tundra. Bah qu'est-ce qui t'arrive, Block Tundra? Ah, il est pas content de la bouffe, et il est pas content parce qu'il dort dans des lits partagés. Bah écoute. Tant pis pour toi. Bah ouais, je suis assez d'accord. Hein. On a d'autres qui sont contents, lui il est pas content. Ouais, on a plein de gens qui sont pas contents quand même, hein. C'est pas ouf.
Bon, on a quand même une nouvelle personne qui arrive et ça c'est cool. Tu fais quoi dans ta vie? T'es charismatique, parfait. Très 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 bien. Oh, et tu fais quoi jeu? Je suis où hein? Ok. Je voulais regarder c'est quoi ce truc qui brille là. Un truc pour faire des poteries. Ok parfait. Un ennemi encore? Ah c'est encore pour toi. Ah mais t'es déjà dessus. Mais attends, mais je dois avoir du lag dans les notifications, c'est pas possible. Non non, mais je sais pas ce qu'ils foutent mais allez, mes soldats mais d'essayer de tout buter. Putain, plantier il est dans, la... il est dans le mal hein, la vache. Ah ouais. Oh merde, ils rebondent sur d'autres. Non mais ah ouais, arrêtez. Je vais peut-être t'envoyer des renforts quand même. Alors, si j'y arrive. Un Grizzly Traveler apparaît à l'horizon. Comment vont les choses? À part le fait qu'on est dans un désert et que on est envahi par les loups. Ouais, il me dit c'est très calme ces derniers temps, mais comment savoir après tout quand les oiseaux arrêtent de gueuler, c'est un mauvais signe. Alors, il dit qu'il y a des loups gobelins. Surveillez vos frontières si vous ne voulez pas avoir à vous les taper. Enfermez-vous chez vous si vous avez besoin ou courez. Ok, donc il y a effectivement une Goblin Raiding Party qui a repopé. Et qui arrive en mec... force. Ah mais avec un seul soldat ça va devenir tendu là par contre. Ça va être chaud. Heureusement que t'as pris le truc qui va bien parce que... Eh hey, merde, en fait c'était le mien qui est en train de se faire des pop. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Alors ok, il court, il s'arrête pas, donc au moins je peux leur taper dessus gratuitement, c'est la bonne nouvelle. Ah mais t'as des casques et tout maintenant? Ouais, j'ai un marchand qui est arrivé. Ah oui, pas con. Ouais, j'ai toujours pas eu de marchand qui est repassé pour des épées, ça m'emmerde. Mais ils vont? Genre ils vont raider chez toi quoi, tu sais, les mecs... C'est moi en particulier. C'est exactement ça quoi, les gros relous. Ah mais en plus, il y a le chef qui se pointe derrière quoi. Et en plus il destroy mon stuff, mais tuez-le plus vite. Non mais sans déconner. Mais rien, il y a le chef qui se pointe quoi. Avec son petit mignon à la con. Il est où? Ah ouais. Ça ils arrivent tranquille, ouais ouais c'est la fête, on arrive dans le village. Coucou bisous. Mais où est-ce qu'il va encore? Bon, on va buter la petite saloperie. Tu vas sur le zombie là? Barre-toi! Non? Non? Ne tue pas le zombie! Casse-toi! Ah putain! Ah la... Ouais. La conne quoi! Sérieux! Tu es en plein sur le zombie? Ouais, et c'est pointé sur le zombie quoi. Gobelin Steve, mais oh là là, mais il y a encore. En plus, il y a une grosse saloperie qui arrive, mais c'est la fête quoi. Si au moins les herbalistes ils faisaient leur taf quoi. Ouais c'est ça, parce que là... Bon ça dit, le chef gobelin, il a l'air d'être tombé plutôt facilement cette fois. Regroupez-vous les gars, le zombie il nous a pas suivi, c'est déjà bien. Putain c'est la fête quoi. On va crever. Ah mais y a un gobelin voleur qui se balade chez toi en plus, qui a piqué un truc. Sérieux? Il s'est pointé au sud quoi. Sérieux? Mais vraiment. Il y en a d'autres qui suivent en plus. Oh, sans déconner les gars. Vas-y, ramène tes mecs. Renvoie tes mecs les gérer, je vais gérer le nord. C'est n'importe quoi là. Ah non les mecs, chez toi. Les gobelins voleurs. T'es où Damny? Qu'est-ce que tu fous là? Mais putain, mais l'autre il est à l'autre bout de la map! Mais reviens! Il a traversé le camp et tout, et il s'est barré à l'autre bout de la map quoi. Sérieusement. Il faut un coup sur le coffre en passant et après tu reviens. C'est quoi ça? Ah, on a un worker qui est incapacité là.
ça. Ah bah oui, il est censé... Quelqu'un va la récupérer. Ah oui, c'est un à toi. Récupérer. Oh. J'espère ouais. qu'il aille pas... Je pouvais le rescue aussi, c'est pour ça. Oh, il y avait une peluche lapin dans le coffre. C'est trop mignon. Bon, Damny, elle peut à peine marcher parce qu'elle est sévèrement blessée, quoi. Je sais pas où tu vas, du coup. Tu vas dormir, très bien, bonne idée. Ah non, tu vas pas dormir, finalement. Ah oui, parce qu'il y a une saloperie de gobelins, d'accord. Ah bah là, ils enchaînent, hein, les gars. Mais on a buté leur camp, là, il y a un autre camp, c'est pas possible, quelque part. Oh mais... Allez. La petite musique qui se met en route, tu sais, c'est la fête, quoi. Ouais. Toi, tu vends quoi, toi? Ah, tu vends des armures et tout. Ouais, bah écoute, ça me paraît plutôt une bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais vendre Parce que bon, là, c'est un peu le drame. On va vendre ça. Pourquoi pas. J'ai pas les moyens d'acheter ça. Encore des fights là? Sérieux? Je sais pas, c'est fini. Il se repose et il mange. Ok, il est enfin allé dormir, je crois. Ouais, il est enfin allé dormir, parfait. Ah merde, ça fait depuis tout à l'heure que je me dis c'est bizarre, ça bug, mais en fait il manque du bois. Il faut quand même un minimum de bois. Hop, allez, on va rester tout ici. Ouais, on a pas de bouffe, on a rien, qu'est-ce que vous croyez, c'est le drame là. Pourquoi ça tape? C'est chez toi que ça tape? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça tape? Ah mais non, mais c'est le zombie qui tape sur une saloperie, non mais sérieusement. Le zombie il est en train de se faire buter par un Varanus quoi. C'est très très bien. J'aurais pas cru qu'il était aussi faible, en même temps j'ai l'impression qu'il tape pas. Ah, le Varanus il attaque le coffre. Mais non! Ah, oh, du coup, y a le coffre il est tombé, y'a plus rien dedans quoi! Oh merde! Bordel! J'ai même pas eu le temps d'envoyer mon soldat, il a même pas eu le temps de bouffer quoi, le soldat! Des réfugiés sont apparus à l'horizon. Y'a des loups dans les trucs. Ah mais oui, il y a un gobelin qui se balade là, putain. Et toi tu fais rien. Ah mais oui, on a plus de clé, c'est ça que vous me dites. Merde, il y a lui qui est coincé. Attends, c'est la merde là. J'ai fait nimp avec mes minages là. La clé c'est ce qui est rose, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Attends, ah mais là, là... Attends, si je regarde... J'ai enfermé un mec, attends, excuse-moi, dans un trou. Ah ouais, effectivement. Tu les fais plutôt bizarre, tes mines. Non mais j'ai fait de la merde, là, je pense, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, allez, construis-moi ça. Voilà, déjà lui, il devrait construire son échelle et puis se barrer avant de crever, ce serait déjà pas mal. Ouais, dégage-moi ça, merci. Ouais, va bouffer soldat là, parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu... Tu vas finir par crever de faim après avoir rasé une armée de gobelins entiers à lui tout seul quoi. Et la musique s'arrête pas, il y a encore des combats quelque part. Chez moi j'ai plus rien. Pas chez toi non. J'ai Flantier qui est en récupération. Ah mais il y a un petit gobelin si qui... l'herbaliste se décide à bouger un peu ses fesses. Il y a un petit gobelin qui traîne en haut là, ça va être pour ça. Autour des camps là, il fait rien. Ah puis là il y a les loups de... Ah ok, le camp de loups gobelins il est là en fait. Un ennemi. Ah la vache, non il y a effectivement une saloperie de gobelins et mon soldat commence à être dans le mal quoi.
Mais je croyais qu'on avait récupéré des épées et tout là, j'ai acheté des armures et tout, et ça enchaîne tellement qu'elle peut même pas aller les ramasser quoi. On a même pas le temps de s'équiper. C'est n'importe quoi. Ça y est, la musique s'est arrêtée. Oh non, mais sérieux. C'est là, pour moi, toi, c'est pour toi celui-là. Ah ouais, mais toi aussi, ils ont tellement de mal quoi. Ah ça y est, l'herbaliste lui apporte une potion. C'est tout? T'es sérieux? C'est de la merde! C'est de la merde! Sans déconner! C'est pas ça, c'est ça. On peut pas faire des bandages là? Faut être level 2 herbaliste? On peut rien faire d'autre? On peut faire ça. C'est en 5. Il faut des graines là, il faut des plantes, il faut de quoi soigner, il faut se bouger le cul, hein. Faut arrêter les conneries. Là. Ça c'est quoi ça, c'est l'herbaliste. C'est le cactus. C'est où que ça fight là? Oh la vache, j'avais pas vu, putain, bien vu, merci. C'est des saloperies de loup gobelin quoi. Non mais elle va crever, elle a toujours pas pu bouffer moi. Sérieux? Ouais, elle a toujours le truc de bouffe au-dessus de sa tête quoi. Faut que tu manges, Damny là, tu vas décéder là. Faut arrêter les conneries. Ouais, à chaque fois elle retourne dormir et j'ai l'impression qu'elle a même pas le temps de dormir en fait qu'elle se prend une tatane dans la tronche quoi. C'est quoi que j'ai moi? Qu'est-ce qui manque? Herbe. Là ce sera des herbes. Ouais, donc du coup on n'a pas assez de clés, c'est ça que vous me dites. Vous pouvez pas miner ça, bah pourquoi? Parce que c'est en hauteur peut-être. Je sais pas pourquoi vous pouvez pas miner ça, parce que vous êtes feignant sûrement. Ouais. Je crois qu'il va être temps de leur faire des déchets. Qui est monté level 2? L'herbaliste est level 2! Ouh. Enfin! Là, ça lag. Ah merde, le jeu a planté! Le jeu a planté! Bon, bah, de toute façon, c'était la fin de l'épisode donc ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien, peut-être pas, mais en tout cas, le jeu a planté. bon, bah, du coup, fin un peu brutal, mais fin quand même. J'espère que ça vous aura plu. On va essayer de voir si on arrive à s'en tirer avec les vagues de monstres là. Ça passe, franchement, ça passe pour l'instant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.